Et voilà. Vendredi 28 octobre 2022, peuple haïtien, nouvelle cap domaine actualité. Effectivement, ministre justice pays noir, le ministère de la justice et de la sécurité publique, garde des sceaux de la République. Effectivement, ministre justice là qui c'est Dorcy Berthaud qui était décidé pour que l'été prend avion pour le ramener exactement en Floride. Eh bien, effectivement, c'est là. Après toute nouvelle dans les médias en ligne, nous te fait connaître que, effectivement, le ministre n'a pas de visa américain encore parce que le groupe visa, nous avons des informations que le ministre dans gang, le ministre dans trafic d'armes dans le pays. Et bien, effectivement, le ministre n'a pas de quoi ça. Le ministre n'a pas de monde qui t'a informé ça. Mais c'était débarqué avec l'équipe dans l'aéroport international Toussaint Louverture, effectivement, pour le voyager. Et bien, ça a passé. C'est là, il a parlé après le ministre que. Où sont chefs des gangs, où sont criminels, où sont assassins, mais pour toute raison, ça yo, effectivement, ambassade américaine dans la coupe d'Haïti, coupe visa, monsieur le ministre. Avant, nous parlons de décortiquer pour nous parler de pile causé sous lit, parce qu'il y a pile dose, il y a pile programme de l'actualité, mais entre temps, tout ça, honnêtement, et l'autre dossier. Effectivement, cap dominé actualité a, dans le moment, c'est dossier kidnapping, non? Kidnapping demande de réagir dans tout le pays. A. La police fait bécater, la police pas qu'à faire parce que ça passe, la police a chargé gang, la police là, ou état-major, la police, c'est des kidnappers, c'est des criminels, c'est des assassins, majorité cladant yo. Et puis ça qui tombe comme nouvelle, moi-même m'étonne, beaucoup de gens me saisissent dans la vie comme ça, mais qui ça passe, c'est yon inspecteur de police, ou du moins son commissaire, qui est le calang bouché. Qui était responsable d'une opération, ou du moins responsable d'un drone pour une opération qui t'a fait dans le village, dit 12 mars 2021, nous te connaissons qui t'est passé, Jean qui t'est passé. Hein? Et bien, quand il a bouché ça, les mêmes avec Franz LB, Marius Gauthier, ils ont organisé pour être capable de faire un mouvement politique contre le gouvernement en place, pour être capable de glisser pour FIG en bas pied, ils ont directeur PNH, qui est Léon Charles, parce qu'ils ont même chaque grenade qui comme on dit, en dehors de l'état-major. Et puis, ils ont organisé avec Pierre Espérance, ils ont fait ISO chef de gang village de Dieu avec Mano, ils ont tout plan d'opération, ils ont ISO tout qui est opération pour commencer, tout comment l'opération va démarrer, qui est le policier pour commencer à mettre pied à terre, qui est le chat pour entrer, et bien ils ont préparé le fouiller trou à ton chat. Et puis, qui est-ce qui a dirigé Donan? Calangri Boucher. Calangri Boucher sous tête d'eau, il y a un gros building qui est dans le palais national, la manœuvre Donan. Koudou n'a pas dit, et policier, mais qui côté pour faire, mais qui côté bandit, quand la rebouche qui te donne, il dit, là, manger. Dossier cap domine actualité qui pas baisser même pour une seconde, c'est Chalet, effectivement, qui fait tomber à terre, qui c'est Joseph Félix Badjo, assassin, criminel, gang, qui sont pété deux graines dans la tête président. Et bien, effectivement, il sorti là parce que il besoin pour être amenant pour le David et la terre, il besoin pour MPM Claude Joseph pour le David et la terre. Et bien, effectivement, il est pour occasion, et bien, le 5 octobre 2022. Ou sur plateforme parlant qui c'est plateforme YouTube InfoBetoa. Aïssa Fomsom, m'a dit nous bonjour, m'a dit nous bonsoir, dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, gens qui nous connaissent, c'est toujours un plaisir pour moi pour que je m'en avec nous sur plateforme pas nous. Effectivement, responsabilité pas ou même capitaine qui a regardé là, eh bien, l'important, on connaît déjà, c'est partager l'émission ça pour faciliter le rivejoin frère avec soeur. Et des Haïtiens qui soivent la vérité, des mondes cap goumé. Et qui pensait que Haïti devrait changer. Et mon dieu, besoin plateforme pour entendre, une plateforme qui dit la vérité. Mais justement, le balot, non? C'est une plateforme YouTube, il faut mettre au capable de recommander. Parce que, ou même, quand t'as des cap gardés là, sont l'autre amis, oui. Sont l'autre amis qui t'attendent des plateformes ça pour une première fois, ou une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, il n'est pas campé. Il te dit comme ça qu'il a partagé avec Zamil quelqu'un qui sont contre à quoi de s'appeler. Il te prend, il partage avec Zamil qui sont contre à quoi de s'appeler. Et bien, effectivement, ça cause, ou même, on vient à quoi? Avec émission ça qui passe sur plateforme parlant, qui c'est plateforme YouTube Info Berto. L'autre responsabilité en signe d'appréciation l'amour que vous gagnez pour travailler là, c'est likely. On nous like émission hein, et puis partager likely, le likely monte au niveau dans niveau que vous appréciez travail. Et ma pour elle, OK. Et puis l'autre bagaille, c'est dit nous ça que vous pensez de ça qu'a dit dans cette émission ça. Ou a dit nous li exactement dans l'espace commentaire là. Ça veut dire que ou pas prendre temps. Ou dit nous toute bagaille ça yo. Dans l'espace commentaire, pendant que vous suivez vous-même, c'est intéressant. Vous suivez, vous commentez, vous dites ce que vous pensez.
L'important, en pile. On va avancer exactement avec dossier qui a dominé l'actualité parce que ça, les dieux en pile. Définitivement, à 100% ou bien à 1000%, nous, pas Jovenel Moïse, raison, à 100%. Tout le monde est contre, tout le monde ouais définitivement ça. Dans quel niveau, c'était assassiné, nous t'as pas assassiné cartel, et parce que nous, pas de nous voler, qui cause, effectivement, nous camper pour nous détruire comme ça, les nous, la psychiatrie de l'anté, nous tout plier le pli, tout ça nous fait le pas tomber, et bien nous prenons, nous pèse bouton de panique là, nous faut tuer. Ça pas fini, messieurs. Doit gagner qu'à parler de gang directement, gagner qu'à porter des armes. Franchement, c'est un kidnapper que nous gagnons pays qui chef nous. Dans la vie, faut t'étendre, mettre Luc Mandelil, important, mettre Luc Mandelil, et qu'à parler dans vos émissions dans la capitale là, dans la vie, faut t'étendre pendant quelques minutes, ensemble avec nous. On attend de mettre Luc Mandelil, intéressant. L'État pas qu'à de mèche et de connivence avec criminels, avec terroristes, mais malheureusement, donc, on va assister à un pays totalement et fini, toute institution écrasée, et même l'école n'est pas qu'à fonctionner. Donc, c'est vraiment c'est avec le cœur déchiré qu'on a regardé des situations. Pas oublier, M. Luc Mandelil, c'est mon qui t'a pral éradiquer gang dans le pays. Il est intéressant pour nous t'aider sur ça. On avance. Affaires, mais qui choppe, il n'y a pas intéressé. Mais ça, on va comprendre. L'on type de comportement comme ça, donc on est victime quand même, tôt ou tard. Donc l'on a une responsabilité pour faire ça, on est bouffé. L'on est bouffé, on va tout le temps. Donc il y a un fini à crier. Mais c'est l'autre monde qui n'a pas tout le pouvoir, qui n'a pas de responsabilité d'État, et a crié tout, et là, hélas, et la vie est grave. Donc on garde des sociétés à des capitalités d'être. Son pays pratiquement fini. Et une main pigo, et bien on t'a qu'à faire pour la jeunesse qu'on y a à Timon qui n'a 20 ans son visa, vous avez dit pour quitter Haïti, tellement payant. Par l'espoir, tout le monde désespéré d'être. Oui, notre pays. Luc Mandelil, bon moment donné. À quel niveau CSPN est capable d'influencer une opération la police nationale d'Haïti, par exemple? Bon, on va pas dire que comme on s'est mis en justice, on ne va pas parler de toute bagaille. Oui, on est question de sécurité. On ne va pas parler de ça publiquement. Mais ça, c'est même capable de que. Et la question d'opération, c'est le débat qui planifie à CSPN d'abord, avant et la police en tant que technicien pour y mettre dans l'application. Mais d'abord, et je ne suis dit là, il me dit tout le temps, c'est d'abord la volonté réelle, volonté politique réelle, de bagarre. En Haïti, en pile qui la politique, en pile là c'est des bluffeurs. Ça a beau en privé, il va les abdire en public. Donc, je pense que c'est un petit gros dilemme que nous avons toujours un langage de bois, etc. Mais sans volonté politique, et pas rien qu'à résoudre, moi-même, j'ai toujours fait exercice avec l'auditeur tout en me disant, pour résoudre le problème, ça, que ce soit à faire blanc de décapsule ou pas, quatre conditions, ça, on ne peut toujours pas aller. S'il va faire, on n'a aucune chance pour une sortie. Et, première condition, une équipe dans le même pays. Ce n'est pas sous bloc, mais dans le même pays, mais au fond, ce n'est pas vrai. C'était de venir essayer de sauver, il n'y a pas de gagne, il n'y a Haïti n'a pas avancé pour lui. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de machine, et Haïti a avancé pour lui. Donc, ça veut dire besoin d'équipe qui est dans le pays. Un. Deuxièmement, besoin d'équipe, ça très important, qui n'a pas rapport ni de près, ni de loin, très, très, très loin, avec criminels. Théorie, ça a fait maman, papa, petit cri tout le temps. Il ne faut pas gagner rapport avec ça, du tout. Équipe là, faut radicalement opposé avec ça. Très bien. Et troisièmement, faut gain volonté politique réelle là. Et quatrièmement, faut ou pas peur. Super. On dit l'on pas au pouvoir qui sont pas le faire définitivement pas on va régler parce que faut pas peur. Situation là, nous son pays qui presque disparaît et ça y est là. Et même si international a venu parler des commissaires gouvernement. Les nappes fait opération. C'est par exemple nous qui. Les Français là, c'est nous qui avons avec la police pour nous arrêter. On a des gros souris, on a des commissaires gouvernement. Nous avons une opération de baptiser les garçons par après. Donc c'est une opération 24 sur 24, nous avons fait avec la police, mais ça n'a pas de résultat. Mais les là au moins, c'est une volonté et à l'époque. Mais qu'on y a là, tout le monde a la guinette. Donc c'est gang, c'est criminel qui prend tout le pays qui a fait la loi.
et malheureusement. Mais même quoi que sans volonté politique réelle, nous pas sorti. Et le problème, c'est que le monde qui a dirigé le pays, malheureusement, en pile du passé, nous va en pays. Nous va en pays. Si on va en pays, on met tête tout seulement. Donc ça veut dire que le valeur est pays, et c'est ça qui mène nous en ça. C'est des gens qui viennent faire corps, qui viennent faire l'argent. Donc ça veut dire que moi-même, le ministre, je suis en train de citer nous. Il dit, mon cher, bon job, bouger, t'es droit, on va être gang, comme ça. Qui est-ce qui va être habitué? C'est l'âme des gens qui ont pire animosité que je ne peux pas comprendre. Donc, je ne peux pas passer président, je ne peux pas lâcher tout. Et je fais travail, mais on va commencer à être fini. Payant, pour être l'on pense, ne faire rien, ne dire rien, accepte le tout. C'est malheureux. Pas faire rien, pas dire rien, accepter toute bagaille. Si on doit bouler pour trouver ça, 8h, 5 fois pour trouver ça, bouler, il est après constitué comme un bon fonctionnaire. Mais il me consacre à Haïti encore. Depuis au bon Dieu, bon grand, ou pas le droit de faire un, ou pas le droit de dire un, et ou pas le droit, et tout ça est ouvert pour faire. Et si on dit, mon cher chef, la Sinda, c'est un jour là-bas, bah, à ce moment-là, on va poser des questions fondamentales à l'homme du monde, mon cher, pas le droit de dire. Ou pas comment le gouvernement est là, on va dire ça, personne n'a pas besoin de dire, mais il est là. C'est ça. Si t'as une graine qui t'a les fonds, bah, c'est certain que t'as mis au cul. Donc maintenant, qui me dit, l'aime nous prend le pays. Malheureusement, le peuple apprend, nous prend bon complot. Et malheureusement, c'est haïtien en comparaison avec des mondes internationaux qui mettent dans la situation. Ça qui arrive que vous mettez étiquette sur ça que vous travaillez là. Il y a des candidats, besoin de candidats. Ah, mais je prends la château et c'est ça que je suis dans un village là. L'aime de sortir pour moi et étrangler les Guyanais. Donc, et on dit que je suis président. Donc, je suis candidat, je suis tout le monde à côté. Je suis créé un pile d'animosité, je suis créé un pile jaloux. Je ne pas comprendre ça. Bon, j'ai été naïf de toute façon, parce que l'homme dit naïf, ça me compte de qui ça va parler. Et moi-même, je ne connais pas. Elle a son affaire fait compliquée. Je comprends que le pays est en pile. Moi, on est quitté l'école dans l'État. Je dois payer en pile. Donc, qu'on y a pour mon fonction. C'est avec honneur, avec dignité, avec plaisir. Nous avons fait travail pour ça, pas privé là. Même si nous comprenons que oui, c'est bon Dieu protégé. C'est une naïveté avec la sécurité de nous, nous avons oui, parce que l'homme vient garder la femme, vient prendre. Et après toute information, aujourd'hui, l'homme vient tomber. Moi, je comprends son pays qui est piégé, son pays totalement corrompu. Et sortir, c'est bon, bah, qui est facile. Moi, ce qu'il faut, c'est rééduquer l'homme et la femme haïtienne pour sortir dans la bagaille. Ça, l'ensemble vient tomber là. Parce que nous ne pouvons pas le pays, on va une sinecure, c'est besoin de job, pour faire combien, pays à mettre écrasé, mais oublier les pays écrasés par les gens encore, par les productions nationales, ils ont même tout, ils ont éliminé tout. Mais par contre, ça, vous comprenez. Haïtien, par exemple, le futur, c'est présent. Oui, Maître Le Pendele, pendant que vous parlez de l'opération Village des Dieux, nous sommes une opération qui a échoué, c'est plusieurs agents dans la police là, étaient morts, donc dans un moment où tu fais partie de CSPN, non? Dans quel niveau CSPN ça a côté la dedans tu étais impliqué ou bien qui responsabilité dans échec opération ça on peut vous battre là on a fait ça gage c'est vous qui avez pas opération dès que tu es tombé un an on m'a demandé j'ai pas de moi pas fait toucher on m'a fait opération tu as passé douce parce que dès que Non. Ça m'a vraiment dit, monsieur ministre. Et opération, c'est des bails de planifier. Pas oublier que, non seulement de volonté, mon équipe, mon à l'époque, qui était l'état-major de la police, nous croyons que qui était en pile volonté, et nous avons développé un rapport de proximité avec eux. Parce que régulièrement, nous dans tout commissariat, ça a suscité des jaloux encore. Parce que quand il y a l'autre ministre qui fait le dit avant, ni après. Régulièrement, dans tout commissariat, on va passer pour mettre monsieur en confiance, pour me parler avec eux. Parce que la police a dit qu'elle était désarticulée. Donc, l'année pour la journée, nous développons pour rapport de proximité. En plus, il vient rencontrer l'MTC commissaire gouvernement qui était commandant tout. Et l'MTC commissaire gouvernement, encore, des cas de son bel retrouvail. De temps en temps, nous, etc. Mais le commissaire pour moi, commande des cas éclatés, monsieur. Donc, nous avons fini par aboutir parce que l'MTC bloqué l'en mer.
OK, à partir du commandant marine notre hommage, nous saluons l'acte commandant marine jusqu'à deuxième baron s'il toujours là. Donc nous sommes grand axe là. Donc monsieur table de choix ou bien tu t'étais ou bien rentre toi. Mais qu'est-ce qui va l'ordre de retirer barrage? Automatique, même soir le 9 juillet, même soir il y a un match by l'autre. Et puis ils ont fait trois kidnappings, même soir ils sont contents, ils font fête, ils voient bien, ils jouent le moment, mais c'est là depuis le kidnapping. Donc l'école l'a ouvert. Et je pense que M. Oté est la personne de Lutman, il n'a pas trouvé le ministre de la Justice. Pas oublié, j'ai révoqué. Non, c'est le fait qu'une belle société avec l'exam a fait manifestation contre le presse. Je dis que je ne peux pas mettre un défi. Autorité en l'air dit que c'est parce que je ne peux pas prendre un moyen. Bon, il y a un propre texte, puisque tu es jaloux de moi, tu es débité ma tête. Et puis, quand il y a là, il y aura l'évoquer. Entre nous, ministre. Ministre de Lille, entre nous. Sous pas là, c'est certain, tu es un premier ministre qui est là, tu es un président qui est là. Mais sous pas, ou pas là, tout le monde. Allez, chef là. Oui, mais c'est sous base là, c'est tout le texte à l'ouvrir. Je ne dis pas que je ne vais pas vous évoquer. Mais ça, je suis oublié. Mais ça est capté, mais ça, je suis allé dire, sous évoquer mon ministre. Pour bandit, vous devez être capable et que le quand ça a été toujours demandé, il faut que l'étude, le gouvernement fasse. Mais quand il y a là, il va dire monsieur un peu béni. Mais je vous fais la tombée de la loi, je vous le bourris. Donc, souvent, quand on a une justice, parce qu'il y a des gangs de théorie, ça y est, c'est conséquence de la vie, malheureusement. Donc, ça veut dire que monsieur va sentir que c'est super, ça y est. Et de fait, on voit comment monsieur crée le pays. Donc, ça veut dire que, en politique, perception, et font pas mal vous venez pas au-delà des perceptions, vous venez avec une sorte de complicité. Vous faites déclaration à 10-11h du matin, à 5h, vous évoquez. Et puis vous venez à le pays en fini. Les conséquences. Parce que vous avez quand même tous les moments. Pas de café. Jamais. Au grand jamais. Pas de café comme ça. Parce que vous me balancez avec criminels, vagabonds. C'est parce que il y a des gens, malheureusement, dans l'état de mèche, de connivence avec eux, dans toute sphère de l'état, qui fait mal à l'arrivée là. Mais Lucman, et dans l'intervention que je fais dans le commencement du journal, il y a un point et moi j'ai oublié de souligner, je voulais poser une question sur ça. Comme ancien commissaire du gouvernement, ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à la police, je me suis parlé dans le mois de mars dernier, il a expliqué que le plus gros défi dans la police, là, il reposait en l'inspection générale avec la question des droits humains. Parce qu'il a dit, là, on fait des opérations. Il arrive à correspondre au niveau bien non l'autre avec des bandits donc gain des organismes de droits humains qui compte produit des rapports et rapports ça en pile fois pas faire du bien. OK, donc moi même moi t'en vie mando, est-ce que vous avez un commentaire sur et en pile fois position droits humains qu'on prend par rapport avec policiers qui compte sentir certaines fois yo qu'on doit organiser les qu'on passe en papier. Quelle espérance. Et c'est la vérité. Fond, c'est pas toute organisation de droit de l'homme. Il y a un pile qui vont collaborer. C'est pas tout. Et chaque pays en dehors, on est. Pas besoin de citer l'homme là. Mais tout problème n'a pas le droit de l'homme, etc. C'est parce que c'est un grand pays où le droit de l'homme est la limite. Ce problème-là, certaines organisations de droit de l'homme substituent l'État. C'est parce que l'État a écrasé. Parce que si on n'a pas de droit, pas de l'homme dit l'État, et non seulement de complicité avec des corrompus, des criminels, c'est ça qui fait que l'État vient perdre toute autorité. Mais si on n'a pas de l'État, il y a un rôle, et on est certain que il y a des bagailles, et les gens qui dans l'institution, ça y est. Pardon? Oui, oui, oui. Et je pense que t'as pris la limite. Allô? Oui, oui, oui. Vous m'avez parlé. Ok. Je pense que t'as pris la limite. Et le problème, c'est que c'est parce que, et comme je disais tout à l'heure là, donc, il y a des responsabilités et qui prend et qui fait ça arriver là. Je crois que l'on a une fonction de responsabilité. Il faut qu'on assume. Tout à l'heure, maintenant, les Johnny a parlé de visa américain et telle autorité a parti au bloqué. Bon, c'est lamentable. C'est honteux. Une justice dans le pays. On ne doit pas plaisir à ça. Donc, voilà qui niveau de différence pays arrivé. Et c'est vraiment malheureux de ne pas plaisir à ça. Parce que, quand même, que bon, que pas bon, si soi-disant représentant,
Donc laisse arriver et nous pense qu'ils sont au pays. Donc c'est vraiment grave. Donc on va chercher si côté te dit ou pas là retourner hein Maître Lucman, on regarde moi. On fait attendre moi. Je suis la police nationale ici. J'attends la photo. Mais ce qui est pour là au territoire. Comme force de sécurité publique pour traquer criminels à eux. Parce que c'est pas possible, c'est révoltant, c'est inacceptable. Ça me tape garder la télévision. Je bat là, je tourne. Donc, je bat là, je tourne. C'est niveau allé. Non, je bat là, je tourne. C'est niveau allé. Et c'est ça qui prend comme prétexte. Non, mais là, il y a l'eau. Ça y a du. Je ne personne qui parle avec. La radio après nous évoquer. C'est seulement que je suis tombé. Et c'est déclaration ça tout le pays là. Parce que qui fait là, c'est que même quand je joue pas de procure, pour te comprendre que même si vous parlez pour la même, il faut avoir un moment pour faire. Parce qu'il ne faut pas avoir un criminel là-bas d'impression pour vous combiner. Pour lui, parce que nous avons dit qu'on continue à contrôler, qu'il y a un grand monde déjà, la cracher sur nous, chaque fois on parle de beaucoup. Si vous avez un matin, et bien finalement, si vous avez un matin, et qu'on y a ce qu'on coule, on va obligé de faire, on va voir qu'on coule la police. Mais c'est exactement ça. A dit que. Impression, bon, pas impression encore, si M. Vinny de bonne complicité pour satisfaire et demande à assassins et criminels et terroristes et qu'on y a mis ça comme conséquence. Donc, l'MD fait, il ne pas faire parce que je suis superstar, mais il dit que, en tant que ministre de justice et sécurité publique, n'oubliez ça, et sécurité publique, donc sécurité pays en quelque sorte en partie en même temps, donc on ne peut pas tolérer que pays est toujours l'enfer. Pour maman, papa, puis toute la semaine de l'année. Dis non, c'est inacceptable, l'inacceptable ne peut pas être défendu. Ne peut pas être toléré comme ça. Eh bien, malheureusement, je ne peux pas l'embrasser, je ne peux pas comprendre ça. Et donc, j'ai été laïf, pour un boulot, et puis voilà, ça arrive. Donc, si ça fait mal, si je regrette, c'est ça. Je ne peux pas aller me faire l'argent, même avec tout l'autre monde qui va se pouvoir. Au moins, je vais aller me faire des bagages pour l'histoire, etc. C'est pas tout haïtien corrompu, pas tout haïtien volé, c'est pas toute autorité clangant, l'enjeu illégal, la complicité de mèche avec terroriste, avec criminel. Qui devait montrer ça. Donc ça veut dire que le monde qui a dit que j'ai mis de l'ordre dans le pays. Je vais pas accès au pouvoir, tous les bons bagages comme ça. Je ne vais pas me faire. Ok? Ou bien là, on veut me démissionner. Je ne vais pas accepter. D'accord. Donc, mais malheureusement, donc. J'aime de comprendre même de penser tout le monde pour voir qu'il y a la même j'avais. Malheureusement. Qui pays même j'avais, vous pouvez me tromper, et ça a fait ma prendre en pile. Je comprends que le pays a son pays qui est extrêmement compliqué, son pays qui vraiment. Politique là, vous dites. Politique. Moi, je pense que je vais rééduquer l'homme et la femme et haïtien, donc je crois que le pays n'a pas sorti. Donc chaque décennie, je pense que la prise, même bagaille, et parce que faut inculquer qu'un haïtien et l'honneur, la dignité, l'amour de la patrie. Et si n'est pas inculquer ça, et la dignité, l'honneur, l'amour de la patrie, moi je ne pense pas que son pays l'a bien encore, je pense que son pays l'a perdu. Et chacun qui veut entrer dans la politique, tant pis là d'ailleurs la plupart, en bonne majorité, c'est pour venir faire l'argent, mais en réalité, qui n'y a pas intéressé. Sous besoin de ça, c'est au pouvoir. Pour quel type de demande, on sait du monde qui la politique a produit. Et il a demandé, mon cher, je vais mettre des dans moi, ou à piquette. Mon cher, ça me dépasse de tel là, mon cher, je suis en pile. Et qui j'ai un tel, qui a fait moi d'une telle bagarre, telle bagarre. Merci. Ça veut dire que moi-même, mon expérience du pouvoir, de affaires sociales, fait 8 ans, commissaire gouvernement, ministre de la justice, on paye un peu. Donc, on les hommes et les femmes de ce pays un peu. Et dernière expérience 4 mois tout fait là, grand pile bagaille que nous connaissons. Et grand pile bagaille, pas qu'à dire si nous avons la République cachée net, le platate. Donc je suis obligé de faire réserve et la loi, et comme avocat tout, donc moi qui est responsable de l'État, il fait une obligation, obligation de réserve, je ne peux pas dire tout bagaille. Mais il y a des bagailles, pas qu'à dire, je ne peux pas plus décourager que j'en fais là, parce que tellement nous sommes corrompus. Tellement nous nous remet l'argent, tellement nous nous raillons le pays, et ça vraiment fait mal. Et il me dépose là,
ou un gros équipe, nous dit là, que y a un travail, nous pas battre rien dans les boulots, tout le monde est allé à regarder, et il y a plein même la chef citoyen, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont des privilèges, mais qui n'ont pas de rien comme responsabilité. Merci voilà. À pile, M. Luc Mandelil. Voilà, c'était exactement M. Luc Mandelil, ancien et ministre de justice, sous administration Joseph Jout, président Jovenel Moïse là. Effectivement, Joseph Jout, t'es dans gang, monsieur dans gang évidemment, monsieur Batal il fait tout ça que le connaît effectivement pour le révoquer mené justice là, il est arrivé glisser pour figlan en bas pied mené justice là et nous t'ai relé mené justice t'a dit ça, président Jovenel Moïse t'est venu reler quelques mois après pour le faire connait que mon cher c'est pas moi-même évidemment c'est trop parole était bam sous premier ministre t'a fait être moins chaud, il t'a dit monsieur soit c'est lui-même ou bien ou même sous quelque soit forme non faut qu'il remplace pas n'importe monde qu'il l'est. Et Jovenel Moïse était fait Joseph Viot révoqué ministre justice. Mais malheureusement, tout président Jovenel Moïse, que je ne vais pas faire un commentaire sur ça, parce que il n'est pas là, mais ou quelque part, il est naïf tant que président. Parce que ou pas qu'à quitter un premier ministre, à poter ou aller comme ça, il faut courir dans le ministre justice. Luc Mandelil, si tu as Luc Mandelil, pas de guérison. Claire sur ça. Si tu as Luc Mandelil, pas de guérison, tu l'appli, honnêtement. Parce que Luc Mandelil fait 4 mois seulement dans tête ministère là, pendant 4 mois il bloque village de Dieu. On paye ta pas tiré. On s'achète l'eau pas rentrer. Pas gain EDH pas on pas bail même 5 minutes courant dedans. OK? On camion de l'eau pas rentrer, manger pas rentrer. Sous la mer là garde côte avec gros mitraille d'ab veux criminel yo. Bandi yo fait 4 mois plein. Joseph Jout parler, il dit zone dans téléphone tel bagaille m'a pas t'a parler. Et puis rapide vite nèg révoqué. Mais les justices qui se mettent Lucman, automatiquement révoqué lui. Quelques minutes après, nèg fait deux kidnappings dans le pays. Nèg tout débloqué village de Dieu pour nèg yo, depuis le même pays. Peuple haïtien, kidnapping n'a vive là. Gardez nous, Joseph Jout habite Vivi Michel. M'a cherché numéro cala pour m'banol. L'argent que nous payons ISO, s'il a appelé dans kidnapping, nous devons aller chercher la caillasse c'est premier ministre, qui c'est Joseph Jout, qui c'est un allié ISO 5 secondes. Nous devons comme ça. Sout, ouais, ça là, nous ne pas faire dans le pays, nous ne pouvons pas nous faire corvée. Qui est-ce nous qui mène la justice qu'on a? L'ambassade américaine coupe visal parce qu'elle dit ou son gang. Ou c'est un kidnapper. Ou son qui dans trafic ZAM. Moi coupe visa. Ou on sait qui est grave là? Ou dans trafic ZAM, il y a un bon volo. Il y a un bon gang. Ce bateau nous a utilisé mal, malheureusement. Nous a utilisé bateau pour nous faire rentrer ZAM. Mais bateau. Qui t'a aidé douanier pour des pays, qui contrôle, on sait des boîtes qui très lourd. Eh bien, pour que pour n'importe quoi, on se fait mettre bateau à payer. Vous saisissez bateau Miss Lily, vous rentrez pour demander ensemble avec elle. Vous saisissez bateau El Shaddai, vous remorquez, vous rentrez pour demander ensemble avec elle. Ça veut dire qui ça? Chef gang qui est dans tête ministère là, mais c'est de la justice encore. Pour le capable de détourner attention monde, il pose en action. Il fait ou même qui s'est malheureux malheureuse, il fait bateau ça qui a servi moun nord-ouest là. Il fait mes bateaux ça. Moun nord-ouest pas souffrir. Peut-être qui ça? Peut-être lui-même parce qu'il dans gang il va supposer que mes amis. M'a dit moun nord-ouest. Moun pour de paix. Et m'a dit nous ça honnêtement, nous mettre continuer prier. Haïti pas prêt comme ça. Nous clé sur ça. Nous mettre continuer prier. Moi, je garantis que le pays n'a pas pris de comme ça. Parce que il y a des gens qui ont une volonté. Et ceux-ci qui ont décidé pour bataille pour le moment. Et nous croyons que, quel que soit le chance, nous avons soutenu ça que nous devons là. Je dis, écoutez bien. Vous avez un commissaire gouvernement, mettre l'action publique, chef de la poursuite, Joseph Félix Badjo, qui a non cité dans le niveau ça comme principal auteur intellectuel, cerveau assassinant au président de la République. Et qui t'a coordonné l'assassinat? Joseph Félix Badjo dit comme ça que les gagnants, yon juge que la langue greffe tribunal, li déposé deux requêtes dans le tribunal. Qu'on a demandé pour juge par l'an, faire chita de face à face avec Martin Moïse. Parce que grand objectif, monsieur yo, c'est que nous raté Martin Moïse, c'est vraiment cible nous. Depuis nous quitter la politique, nous avons un problème. Il n'y a pas qu'à faire élection avec Martin Moïse existé. Quelque chose l'élection fait là ou fait là, la population pas l'autre pour nous prendre. Parce que le peuple a même appuyé les gens qui sont victimes. Quelque part, ils comprennent que nous avons fait un bagage volontairement pour le pays.
peuple a pas voté Martine Moïse pas pile pas Macron les gars dit faut que tu es Martine c'est ça qui est dans tête yo là Joseph Félix Badiou dit comme ça que faut que les chita de face à face avec ancien premier ministre pays là qui c'est docteur Claude Joseph pour le faire qui ça pour le tuer pour le tuer parce que docteur Claude Joseph bail problème faut tuer lui mandé pour chita avec ancien ministre justice pays là ou fait les Vincent pour le faire qui ça pour le tuer. Il m'a dit tout, Léon Charles, lui, parce que Léon Charles n'a pas de négocier jour matin, 7 juillet 2021. Léon Charles fait arrêter nèg. Il m'a dit pour le chita en face, face à face avec Léon Charles. Pendant ce temps, il a invité l'homme qui s'est allié. Il a 400 maozo qui s'est allié. Il n'a pas de chef gang, il l'a coordonné pour le moment. Il dit qu'il a une grenade. Il dit qu'il n'a pas tout hyper espérance. Il menace Louko Désir. Il menace Gary Pépon Charles. Il menace plusieurs autres monde encore. OK, il menace plusieurs autres monde encore. Moi-même, m'a dit nous ça honnêtement et sorti Badjoa, moi t'ai regardé Gary Pierre-Paul Charles, t'ai fait un petit râler sous lui. M'a dit Gary Pierre-Paul Charles et Jean côté comprendre bagarre là, il est plus que ça. Il est plus que ça, il est plus fragile que ça. Est-ce que moi t'as supposé faire nous entendre et cette intervention Gary Pierre-Paul Charles là? Et entendre petit puis Jean Gary pour ça à la légère, entendre ça, intéressant. Ma vie sous ça pour nous. Mais quand Badjoa a envoyé ce papier, numéro 1 de l'assassinat du président, ma vie sous ça pour nous. Mais quand Badjoa a envoyé ce papier à Scoop, à Gary Pierre-Paul Charles, à Louko Désir, à Esaü et à Pierre Espérance, quelle est la valeur juridique de cet exploit ou de ce document? C'est cette question que nous devons poser nous. Quelle est la valeur juridique de ce document? Je réponds. Ce document a très peu de valeur juridique. Val. Et je dirais aucune valeur. Suis-moi bien, parce que tu n'as pas la bonne suis-moi bien. Document n'a pas gagné aucune valeur juridique. Rien du tout, pas gagné pour la justice du tout. Action en diffamation pour un dossier pénal, les subsidiaires par rapport au dossier principal. Ça veut dire, Badjoa a gagné déjà une action qui est tentée contre lui, notre dossier assassinat, dossier diffamation, hein? C'est pas lui qui est prééminence, c'est là où il fait dossier assassinat, c'est là ça va regarder pour voir si c'est vrai. De diffamation ou pas, donc c'est pas un acte juridique que lieu. Cela veut dire clair. La déclaration faite dans la presse sur Jovenel Moïse. Pas de monde qui a au courant si diffamation ou pas. Donc, bagaille, de ce Badjoa nul. Seul je pour considérer ce Badjoa important, vrai, faut que procès qui fait. Et c'est après procès. Il a dit, Badjoa pas impliqué. Et c'est à partir de ce moment que le juge correctionnel là, il est capable d'intervenir sur lui. Mais entre-temps, pour question qui a rapport avec diffamation, le juge correctionnel là, il a suspendu l'audition à faire rapide jusqu'à faire procès. Et c'est après procès, il est capable de faire attaque à diffamation. Donc, dossier pas de valeur juridique. Question 2. Si sur le plan juridique, le dossier de Badjoa n'a pas de grande valeur, donc Badjoa est à la recherche de notre résultat. Si le nom de Badjoa a chassé, son action donc a un caractère purement politique. Voyons maintenant ce qui se passe sur le plan politique avec Badjoa. Parce que juridiquement, ça ne tient pas debout. Dans l'enquête menée par la DCPJ relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans la page 118,
qu'on y a m'a répondu Badjo. Il a écrit et m'a dit Badjo m'a cité pour lui. Quand du nom est Félix Badjo, il est considéré comme étant l'un des cerveaux de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon l'information de CPJ Gaye, et Badjo, c'est lui qui a coordonné sur le terrain l'assassinat du président. Badjo, je cite, celui existait toujours. Il existait. Allons de Sierra Gadi Boué. Et on continue toujours, oui, dans la page 118 là. Il dit un mandat d'amener a été émis contre certains suspects, dont Félix Badjo. Mais bagay là, mais comme ça. Il a relevé également que Félix Badjo t'a parlé à le premier ministre en téléphone. Dans le rapport. C'est là qu'on allait. Dans le rapport. Et quelques heures après l'assassinat, t'es con CSPN spécial sous question ça. Claude Degas témoigne de ça. Parce que moi-même, vous connaissez mon dossier à bien. Et il a cité non Badjo comme suspect numéro 1. Et c'est Badjo, selon CSPN qui t'a fait là, qui t'a fait le lien entre les grosses légumes, c'est-à-dire monde qui t'a financé l'assassinat, et ceux qui allaient exécuter œuvre sale ça, qui c'est assassinat Jovenel Moïse. Donc, c'est-à-dire, cible Badjoa, il aller sur le plan juridique, il aller sur le plan politique plutôt. Donc, Badjo est considéré comme la personnalité centrale, criminant. Et c'est l'appel de Badjo à Ariel qui a jeté la suspicion sur le même. C'est téléphone ça m'a encore joint qui mettait Ariel en difficulté, qui dit Ariel la donne. Sinon, pas de monde qui t'a parlé de Ariel du tout. C'est le numéro de téléphone ça. Kounia, nous pas regarder pour nous. Acte Badjoa. C'est une attaque contre la liberté de la presse. Son attaque en règle contre nous-mêmes parce que Pierre a parlé tout, Pierre a agi, Esaü a cloué à Paris, et moi-même a agi, n'a pas parlé. Il tentait pour le fermer bouche nous. Badjo, peine perdue. Seule la mort, comme disait le Kouswane, seule la mort. Ou pas pour faire même bouche nous. L'un mourit, l'autre n'a pas les va la campagne n'a pas les, ma quoi pas les, etc. Moi n'a pas les. Donc, nous déduit. Action Badjo a visé directement Ariel. Parce que qui ça, monsieur, voulait faire? Monsieur voulait attaquer nous pour diffamation. Et puis, comme nous tous connaissons que lié avec la réalité par la belle, il faut attaquer le pouvoir. Nous pas faire c'est attaquer pour attaquer Ariel. Donc, attaque, ça me se fait, son action pour affaiblir Ariel dans l'opinion. S'il fait pour affaiblir Ariel dans l'opinion, donc, Badjo a un problème avec Ariel. Que la pression. Parce que, comme si tout le monde sait que Louko Désir, c'est quelqu'un qui a lancé la mobilisation anti-Ariel à la radio. Louko dit des bagailles comme leader politique, comme candidat à la présidence, et des bagailles qu'il dit. Bon, Louko prend responsabilité. Mais je dis qu'il faut qu'Ariel aille. Où est-ce qui dit qu'il faut qu'Ariel aille? Qui dit tout écoute ça? Comme on attendait, etc. Et puis, qu'on y a, où attaquer? C'est Joudil. Continuez. Mandez des barrières. Eh bien, Dieu m'a dit, il faut passer, moi. Attention. Vous gagnez plus tactique politicienne. Passez. Dans la FM, montage. Mais on va pas on va pas lire dans l'être fin passez. Ou vous voyez me craser, Ariel. Ou mandez Esaü César craser. Parce que Louko, Esaü, Pierre Espérance, GPPC, nous pas dans logique assassinat Jovenel là même nous-mêmes. Même si Pierre était contre Jovenel, mais Pierre mandait une série de bagages pour Jovenel. Donc, monsieur choisit les personnalités clés pour faire question sommation
pour nous pour porter nous à craser Ariel. Donc, nous comprenons ça. Mais nous continuons à parler, vous me dites. Ariel et Badjo, pas le tableau politique la même. Pas qu'il y a qui a dit dans le pays qui parle de Badjo. Même le juge d'instruction, comme si le dossier a mouru. Si le dossier a mouru, et que Badjo en accord de sainteté avec Ariel, il n'est pas venu à ça à Kounia. Il y a une logique. Il n'est pas évoqué le Kounia. L'abtenu l'autre moment peut-être. Mais ça qu'il fallait évoquer, ça veut dire il y a un point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Il y a un problème entre Ariel, Badjo, ou bien un gouvernement avec Badjo. En plus, il va aller. Par cette action, Badjo mandé, il faut que glisse le dossier de l'assassinat du président sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque la Chine l'avait évoqué. La Chine t'a dit clairement son gouvernement illégitime, donc il participait dans le paquet de bagages. Là, on fait ça. Monsieur tout mandé, vina à ça sous table à tout. Il m'a dit glisser le document ça sous table à tout. Donc, tout l'escroc, tout bail montre clairement que gros problème entre Badjo avec Ariel. La sommation est un prétexte. Depuis c'est Badjo qui fait le vrai, c'est que gros problème. Donc, c'est Badjo en personne qui met le dossier à deux. Et pas Macron, non, qui vient dans un dossier. Et pas Val qui vient dans un dossier, non. Et pas Louko et Zahir César qui vient dans un dossier, non. C'est Badjo même qui vient avec lui. Donc, le gouvernement, les membres de l'opposition qui sont actuellement au pouvoir, le PM Ariel Henry, est-ce que vous trahissez Badjo? Est-ce que vous trahissez Badjo? Qui fait Badjo à mettre bâton dans le rouge aujourd'hui? Il y a un problème que vous avez résolu toi-même. C'est pour nous comprendre ça. Donc, il faut comprendre que Badjo serait a priori trahi par ses partisans. Donc, la patate est maillon, fort de la presse. Mais nous-mêmes, n'a pas analysé, je ne dois analyser. Mais dossier a tous sont mis en garde. À Ariel, dans un premier temps. Je dis attention, Ariel. Attention. M'la. Concernant le monde qui compte dit que Ariel, qu'on a rencontré Badjo, la CA, etc., 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 si Badjo fait ça, donc, on peut couper. Parce que Badjo peut le mettre en difficulté, là, il fait ça. Donc, on peut couper. Tout le bagage montre que y a un problème avec Badjo. Deuxièmement, comme Badjo somme GPPC, Zahir, Louko et Pierre Espérance, lui vient dire tout le monde. Je viens dire, attendez-nous. L'autre aspect, question, hein? Attendez un petit monsieur. M'attaquez-nous parce que c'est menti n'a pas sous moi. L'autre angle de la question. Et menti n'a pas sous moi. Même si ça, monsieur, se dit, était évoqué dans le papier là, ça va gagner un boulot avec moi. Ouais. Mais un message en filigrane, monsieur, vous le faire passer. Sous moi, oui. Deuxième aspect question. Hein? Monsieur, vous dire que pas gagner un boulot un assassinat. On se dit, menti. Par où cochon, l'État voulait dire tout. L'absence de gens pour blanchir. Pour qu'on dise Ariel Baladon. Cela pourrait être capable d'interpréter comme un complot entre Badjo et Ariel. Ou par contre, qui instance judiciaire et qui structure mettait pour suite ça que parle passé. Donc, on est capable d'interpréter comme un coup politique. Mais on doit rester véatif parce que Jovenel n'a pas mourir comme ça. Attention. Donc, fait que John Bagay là.
Troisième aspect de la question, est-ce qu'on n'essaie pas de détourner l'attention du peuple haïtien sur l'arrivée des forces étrangères? C'est mon bail à Bangame. Dossier ça tue dossier Mika, automatiquement. Les tue dossier gaz là, même là, automatiquement. Les tue dossier la vie chère, même si bah l'arrête dans nous. A fait l'école là, et puis on va nous marrer. Et puis t'as l'autant de hélicoptères dans le tout bail ça. Donc, moi, des peuples là pour le vigilant. Sous acte de sommation ça, sous sommation ça que fait là. Ce n'est c'est pas objectif première qui s'est attaqué Pierre, Esaü, Louko Agaï, Gon bagay caché. Nous n'avons pas évoqué ça, et puis Gon l'autre bagay qui peut arriver. Est-ce que document ça n'a pas dit à l'étranger, attention, hein, cet homme qui est au pouvoir est un assassin. Donc, le monsieur mandé pour étranger venir, pas occupé, monsieur pas venir. Tu as dit le gari. C'est le message. Parce qu'on connaît depuis nous qu'on parlait, depuis me parlait, depuis Pierre parlait, qui gagne des pénétrations au niveau international. Eh bien, on a beaucoup de ça, depuis nous parlait. Il faut interroger tout le net. En plus, le bain est montré là, à partir de ça, qu'il y a réel capable de difficulté. Tenez-nous. Si pendant sa fête, il a attaqué physiquement Pierre. Parlé, si pendant sa fête, il a attaqué physiquement Esaü. Si pendant sa fête, il a attaqué Louko ou bien attaqué physiquement. Ou quoi qu'on dit que tu vas le passer? Est-ce que pas un assassinat spectaculaire qui va le faire dans le pays? Belle analyse, m'bat un bravo pour là. Clé. Côté, qu'est-ce qu'on sacrifie nous aujourd'hui là? Il y a dit bah Dieu fait. Par ricochet, il a dit c'est Ariel Henry. Donc, il y a une implication politique qui a mis nous dans une situation chaotique qui a fait blanc vin plus vite. Attention! Parce que on a toujours dit que Badio a le bras long. Si monsieur a participé dans haut niveau ça, dans l'assassinat président, ce n'est pas moi même qui est au micro, qui a parlé après-midi pour le prendre un coup de poule. Donc, société a, si ça arrivait, a pris un arrière responsable. Ça est capable d'actionner la situation chaotique là. Et force solliciter a, il a plus vite. Donc, les politiques doivent être lucides. Et pour finir, ma baye Louko Désir avec Esaü ou information. Que deux zélés en tant que gouvernement. Qui mandait à l'autorité en place pour fermer Radio Téléclair et fermer Radio Zénith. Chalmas à la côté de cause, papa. Où diable dit diffamation? Monsieur dit diffamation, ma petite caisse. Il l'a choué, voilà. Et bien, à la justice avec nous. Je suis fermé la jeté l'éclair. Parce que Louko a parlé trop. Je me souris tristement. Les bonnes nouvelles là. Je dis, bah, c'est une sa faute famine. Et donné que Ariel pas de courant, il a répondu, quelle est cette affaire? Zélé autour de Ariel qui m'a dit ça. Fermez la jeté l'éclair. Fermez la jeté zénith. Nous m'avons fermé. Nous avons fait mais. Et vous avez dit fait mais radio car vous avez dit ça qui passé. Nous
n'a tout dit non nous là. Ou va dire lâche. N'a tout dit non. Nous tous les deux. Ou va dire Dolbe Alex. Nous sommes nous dans le gouvernement déjà comme ministre. Pas comme lever. Malheureusement, c'est lâche guerrier, guerrier ou fait pression hein? Évidemment, mais on pas d'ap citer non yo vrai. On pas d'ap citer non. Guerrier nous ca fait ça. Et nous ca fait ça. Et nous gain quand son entaille pour nous faire ça. Vous comprenez? Solution, c'est prendre manchette, nous faire suivi de ça ambassade américaine faire. M'a dit nous merci, merci beaucoup parce que nous sommes toujours présents ensemble avec nous dans l'académie ça qui passe sur plateforme Panouan, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoua, li intéressant et que nous même capter nous même regarder pour que nous tendez émission ça, nous garder émission ça, partager avec amis nous qui toujours présents ensemble avec nous. Et que m'a remercier nous parce que nous toujours fait effort partager commenter like non pas monsieur Beto plateforme attendez nous là relé info Beto Kembela rendez-vous cassé pour après-midi à 6h boule Kembela.